Oui. Je suis là pour ton auto-interview à propos de la sortie de ton livre, L'identité est un soir sans fin. Alors, je voulais te demander pourquoi ce titre précisément? Si tu veux, je trouve qu'on a tous une certaine difficulté à savoir qui on est et comment on existe. Et c'est le cas de mon héroïne, Alice. L'identité est le thème central de mon livre, au point de te mettre au féminin. Oui, rien à voir avec un phénomène transgenre. Non, non, absolument pas. Non, non, c'est une pure fiction à partir d'éléments autobiographiques. On est bien d'accord. Oui, d'éléments autobiographiques sur lesquels je construis une vraie narration complètement fictive, inventive. Mais tu utilises quand même ta propre biographie d'homme et d'acteur dans ce personnage de femme. Oui, enfin, disons que je me sers de quelques éléments autobiographiques comme base et comme support au récit et que, je crois pouvoir le dire, le fait de m'être mis au féminin me donne une liberté par rapport au narratif que je n'aurais pas eu si je m'étais mis à la première personne du singulier au masculin. La singularité de ce récit, c'est que nous traversons tous les âges d'Alice. Je ne t'en dis pas plus.